La basilique Saint-Marc de Venise. Venise, à la recherche de prestige, souhaitait accueillir une relique digne de ses prétentions. C'est ainsi qu'en l'année 826, deux marins vénitiens dérobent le corps de l'évangéliste Marc à Alexandrie pour le ramener à Venise. Le corps a été caché sous des carcasses de porc pour éviter les fouilles des Sarrasins. Une première basilique est alors construite pour abriter le corps de Saint-Marc, mais l'édifice actuel est celui construit au XIe siècle, les deux précédents ayant été détruits. Au fil des siècles, la basilique a été constamment enrichie jusqu'à former cet ensemble unique d'une richesse incroyable. L'une des plus belles choses que peut offrir la basilique Saint-Marc à ses visiteurs est sans conteste ses mosaïques, et ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de celle-ci. Elles sont d'inspiration fortement byzantine à l'origine, et l'on pense même que certains artistes byzantins seraient venus spécialement à Venise pour les réaliser et les restaurer. Car leur entretien était en effet délicat, et la plupart des mosaïques d'origine se dégradaient assez rapidement, entraînant des restaurations quasi constantes. C'est ainsi que, plutôt que de restaurer les mosaïques existantes, les Vénitiens, au fur et à mesure, les ont simplement remplacées par de nouvelles mosaïques, représentant de surcroît des scènes correspondant souvent plus au goût artistique et aux thèmes religieux du moment. La seule mosaïque d'origine sur la façade de Saint-Marc est celle qui représente la translation de la dépouille du saint sur un fond qui représente la basilique vers 1250. Voici des exclamations et des commentaires des visiteurs. Ébahissement religieux, admiration extatique, frisson en face de l'aspect grandiose, impression fantastique. Là, dans une suave lumière, apparaît Jéhovah, la cour céleste, les chérubins, les séraphins, la Vierge, les saints. Toute l'armée des cieux est là, sous cette coupole, rangée avec ordre, nageant dans l'espace et montrant en relief les merveilles du paradis. Le soleil, qui tamise sous sa voûte un rayon furtif, fait scintiller d'une étrange manière les fonds d'or et les draperies de couleurs. On dirait que tous les personnages des mosaïques, tout à l'heure endormis, se prennent à vivre et s'agitent sous le tremblotement du rayon lumineux. C'est d'une fantasmagorie qui remue l'âme. Les figures s'animent sous le baiser du ciel. Il semble que Dieu parle et que les légions célestes s'approchent et prennent des pauses pour l'écouter. Il n'est pas jusqu'au lion de Saint-Marc qui ne paraisse s'agiter et se disposer à rugir. Aussi les vierges s'écartent et les processions des saints martyrs s'avancent hardiment. Puis, au loin, dans les profondeurs des nues, on dirait que voici de blancs fantômes et de rouges spectres pour ouïr également la voix divine qui va tonner sous la voûte. Il semble que des voûtes tombe une pluie d'or. C'est la lumière réfléchie par les mosaïques des coupoles qui descend et vous enveloppe de ses nimbes. De quelle manière sont donc composées ces mosaïques étincelantes, d'où l'or ruisselle et d'où s'échappe en rayons lumineux le carmin, l'émeraude et l'améthyste? Tout simplement, de petits cubes en verre doré, vermillonnés, teintés d'opale, d'azur ou de safran, fabriqués aux verreries de Murano, tout proche. L'extérieur de la basilique Saint-Marc. La basilique Saint-Marc est une immense croix grecque, au centre de laquelle s'élève majestueusement la vaste coupole, toute resplendissante de reflets d'or et de vives couleurs, impérissable, supportée par quatre massifs piliers, décorés eux-mêmes de manière à charmer le regard. En vérité, l'imagination orientale a reçu un rayon d'en haut lorsqu'elle a choisi les formes circulaires de la coupole comme représentation, comme image des cieux dans les monuments destinés au Seigneur des mondes, afin de pouvoir y placer, dans un lointain nébuleux, le trône du Tout-Puissant. L'édifice est coiffé de cinq coupoles, ce qui accentue son allure orientale. La façade principale, à deux étages,
présente 5 portails très richement décorés. Les colonnes de la façade forment une véritable forêt de couleurs et de styles différents. En effet, les colonnes proviennent de divers territoires conquis par Venise, qui ont pillé les trésors. L'arc du portail principal au centre est décoré de bas-reliefs à motifs variés, végétaux, animaux, allégories des saisons, signes du zodiaque, mais aussi la représentation des métiers. Les mosaïques surmontant les portails sont pour la plupart postérieures au XVIIe siècle, à l'exception du portail le plus à gauche, celui de la porte Saint-Alipio, qui date du XIIIe siècle. Cette magnifique mosaïque illustre l'arrivée du corps de Saint-Marc et son inhumation dans la basilique Saint-Marc. La basilique figurant sur la mosaïque n'est pas celle contemporaine de l'événement, mais celle du XIIIe siècle. Elle nous permet aussi de connaître l'aspect de la basilique avant ses transformations ultérieures, notamment sans ses ajouts gothiques et avec ses coupoles d'origine qui étaient plus basses. La galerie supérieure accueille une terrasse sur laquelle se tenaient les personnages importants lors des fêtes données sur la place. Les célèbres chevaux de bronze dorés de Saint-Marc sont placés ici. Ce quadrige du IVe siècle provient de l'hippodrome de Constantinople, pillé lors de la 4e croisade. Les originaux sont à l'abri au musée. L'intérieur de la basilique Saint-Marc. Sur chaque bras de la croix grecque, d'autres coupoles, moindres de dimension, sont disposées de manière à rehausser la coupole centrale. En un mot, la basilique Saint-Marc offre un ensemble d'un effet saisissant. Mais rentrons dans l'église. En vérité, l'on croirait pénétrer dans une caverne d'or émaillée de pierres précieuses. Vous accédez à la basilique en pénétrant tout d'abord par le narthex avant d'atteindre la nef. Le narthex est richement décoré de marbre et de mosaïques. Toute la surface des murs et des coupoles en sont recouverts. Les mosaïques ont été réalisées au fil du temps entre le XIIIe et le XVIe siècle. Les plus récentes ayant été réalisées sur des cartons d'artistes comme le Titien ou le Tintoret. De nombreux thèmes bibliques sont illustrés dans ces mosaïques, tels que dans la coupole dite de la Pentecôte, dans laquelle on voit les apôtres assis, touchés par des rayons venant de la colombe du Saint-Esprit au centre. Le chœur surélevé est séparé de la nef par une iconostase à colonne d'aspect byzantin. 14 statues de la Vierge et des apôtres et une croix la surplombe, chef-d'œuvre du gothique. Le maître-autel est surmonté d'un baldaquin, soutenu par 4 colonnes sculptées de relief sur le thème de la vie du Christ et de la Vierge. L'abside est décorée d'une mosaïque d'un Christ bénissant du début du XVIe siècle. Derrière le maître-autel, vous trouverez la Pala d'Oro, un extraordinaire retable réalisé entre le IXe et le XIVe siècle. La Pala d'Oro est incrustée de centaines de pierres précieuses et de perles entourant 80 émaux, illustrant pour la partie supérieure des scènes de l'Évangile et pour la partie inférieure des saints autour d'un panneau central, un Christ Pantocrator. Situé sous le Christ, on retrouve l'impératrice byzantine Irène, la Vierge et le doge Fallier. En conclusion, disons que située sur la place Saint-Marc, cette basilique, qui est aussi la cathédrale de la ville, est l'un de ses monuments les plus célèbres. La basilique est d'une richesse inouïe et le fruit de l'accumulation de richesses au fil des siècles. Elle présente 4000 m² de mosaïques à fond d'or et du marbre à profusion. Prière à Saint-Marc. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint-Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Amen.